Et salut tout le monde, c'est Silent, on se retrouve sur Binding of Isaac Repentance. Alors, vous voyez un timer à 000, c'est moi qui galérais à vouloir switch le jeu de full screen mode fenêtré. Voilà, putain, je trouvais pas le mot. Parce que, en fait, quand tu fais Alt Enter sur n'importe quel jeu, ça switch de l'un à l'autre. Mais le jeu il voulait pas, donc ça m'a fait péter un petit peu un câble. Donc, je suis dans les options, j'ai modifié les options. Enfin, je l'ai modifié directement depuis les options. Et ça a fonctionné après le raccourci, donc voilà. Parce qu'en fait, mon écran, il merdouille un peu depuis que j'en ai deux en fait d'écran. Des fois, quand je lance le jeu, en fait, ça me lance le jeu bien, sans problème. Mais d'un coup, en fait, il se dit, ouais, en fait, ce serait bien quand même de faire de la merde, tu vois. Et j'aime pas trop la merde, en fait, donc c'est un peu chiant. Non, en gros, dans les grandes lignes, c'est simplement que mon Isaac, en fait, il se met en partie en même temps sur le deuxième screen, ce qui est complètement illogique pour moi, mais bah il le fait quoi, donc c'est un peu chiant. C'est un étage XL ou pas? Non, non. Allez, venez vous coller, venez vous coller. Bien vu. Ah. On les a tous fumés. Bon, faisons déjà le boss déjà. Faisons déjà le boss déjà, ça fait beaucoup de déjà quoi. Pourquoi je l'ai pas lancé? Pourquoi je l'ai pas lancé moi? C'est le duel de bombes en fait. Ah non, mais éloigne-toi pas. Seriously? Ah mais nique. What? Moi pas capté. Ok, ok, très bien. Ah, ça va être chiant. Ouais. Pas mal. Ok, on va essayer de trouver la deuxième salle secrète quand même. Et un peu clean tout ça pour choper des pièces. Potentiellement aller voir le marchand, voir s'il a des choses intéressantes à nous proposer. On sait jamais. Coucou toi. Ça peut être sympa le deuxième truc de marchand. Mais actuellement, les thunes, bah elles sont pas trop là quoi. On y est presque hein. Je suis en train de me dire, t'achètes rien du tout. Et de toute façon, il était vers le truc à 15 donc. Il n'y avait pas trop de risques. Ok. Donc parlons de la deuxième salle secrète. Parlons. Elle doit être par là, puis par là, puis par là-bas. J'ai cru qu'il y avait une pilule. Ah mais je deviens fou. Bah voilà. Écoute, tu me l'as fait péter. Excellent. Nul. On va faire sauter ça. Ok, il y a la pièce de 25. Ok, l'autre. Ah, je pense que c'est mort. Allez. Donc comme d'hab pour ce challenge de merde, on skip les salles de Satan, on veut l'ange. Parce que l'ange c'est quand même un peu plus intéressant pour moi de manière globale. Ouh. Ok, c'est pas grave, on a pris un coup. Ça va, y'a pire. Excellent ce petit soin, excellent. Les axes forks, c'est vraiment ce que j'avais besoin, quoi. Je suis super content. Je pouvais pas demander mieux, elles ont vraiment été dessus, quoi. Allez, salut. Merde. Ouais, ben. Écoute, ce sera un peu mieux. Mais t'arrêtes de lui sauter dessus, le pauvre, il a rien demandé. Oh là 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 là, et tu vois, à cause de ça, je prends des coups. Bon. Au moins, on a la thune cette fois. Mais le reste, c'est pas foufou. Aïe. Ok, de 1. Ouais, bam bam, ok, le dernier, très bien. Bon, ok, on va attendre qu'il pète, parce que là, ça sent la merde.
On sort, on re-rentre, on le met en haut. Bam bam. Ouais. Ouais. Pas fou tout ça. Allons voir quand même la carte qu'il y a là-bas. Ermite, bon, tépon. Tépon, tépon. Je vais pas dire tépon, mais TP. Tépon, ça veut pas dire grand chose, mais. On prend Silent. Bon, vas-y, de toute façon, on a été shooté. On va prendre ça. Et puis, on va prendre ça. Et puis, bam. J'aimerais bien prendre le Sawlert, mais il faudra 2 pièces de plus. On va essayer de trouver ça. Bien vu. Bon, ok, on n'aura juste pas assez, c'est dommage. Récupérons l'autre carte, bam. Putain. Ta mère. Oh là là, c'est chiant. Donc on y va pas. Je sais pas ce que c'est ce machin. It hurts, no it doesn't. Moi ouais, y'a un autre à faire, allez. Barrons-nous. Non, y'avait rien d'autre à faire. Je réfléchissais encore, mais non, y'a rien. Rien du tout, normalement. Ah. Bah écoute, on prend. Ah mais oui, mais... c'est vrai que j'ai tout niqué. La poule d'objet, elle est complètement baisée. Ah, par contre, les flammes bleues, on va les casser. Hein. Non, pas l'ange. Merci. Alors, je voudrais bien le garder pour voir comment ça réagit en fait avec le machin. Genre si lui devient invincible et moi aussi ou pas. Ouais. Oh bah, nickel. Bam. Allez, ça dégage. Ça me sert à rien, mais bon, voilà. Hein. On prend ce qu'on a, les gars. De toute façon, j'ai pris Chaos, donc maintenant tout est fucké. Hein. Tout est fucké, toute la poule des items, ça n'a plus aucun sens. Espérons avoir du lourd. Oh, joli, 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 joli snipe. Ah, le joueur suisse. Ok, ok, pas mal, pas mal. Ok. Fuck, presque. Je suis obligé de la terminer de nouveau la salle, hein, mais là, au point d'en est, on va finir Devil. On va regarder ça. Tac. Ah, mais viens par là, quoi. T'éloigne pas. Mais je crois que c'est quand même. C'est quoi, on va aller là. On va claquer ça. On va se calmer. Ah, ouais, c'est que lui qui peut faire ça. Et du coup. Mais je peux le porter, du coup. Ouais, mais. Est-ce que j'en ai besoin vraiment? Des gros doutes. Hein. Oh, ce sniping, il était beau. En soi, ça me permet de faire des boss de manière plus facile, mais. Ah, un petit instant. Alors, vérifions qu'on est bien en ligne à nouveau. Ça record, le timer il augmente, c'est bon. Mes excuses, c'était l'anniversaire de ma cousine et c'était le moment de lui dire bon anniversaire par téléphone a priori. Donc voilà, voilà. Compréhensible les gens, tout à fait compréhensible. Si la cousine elle fait son anniversaire, on va lui souhaiter bon anniversaire quand même, hein. Vous m'en voudrez pas pour ça. Si, vous m'en voudrez. Ah, mais vous êtes pas cool les gars. Et bim dans tes dents. Ah merde, c'est vrai qu'il y a la deuxième phase. Tac. Alors, je me pose encore la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder la corne ou pas? Je doute. Franchement, je doute. Ah, les deux coffres, ça pète pas mal. Pour une carte qui me téléporte, j'ai pas envie de faire les fights, c'est beaucoup trop loin avec cet objet de merde, hein. On va la laisser tranquille au milieu là, elle est bien placée. Ouais, 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 ouais. Ah putain, mais décale pas les mouches. Ouais, 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 encore une, je crois. Non, deux. Ok, elle, la fume. Mais. Eh, c'était illégal ce mouvement qu'elle m'a fait. T'inquiète, 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 on va là-bas. Merde. Viens là!
Viens ici, Philippe. Broken Watch. Bah écoute, à 7 balles, on va le prendre hein, si on arrive à choper les gold. N'achète rien. Arrête. On va aller trouver les gold, je pense, avec les deux salles secrètes. Normalement, ça devrait le faire, logiquement. Maintenant, faut trouver les salles secrètes aussi, ce serait pas mal. Ouais. Ok. Bon bah, c'est pas ce que je voulais, mais ça c'est fait. Bah, si tu veux bien t'orienter un peu plus vers la gauche. Non mais, là-dessus, sur la... Tu l'as vu. Voilà. Génial. On va aller là-dedans, on va claquer ça, et on va se coller à lui. Ouais, c'est un total de deux explosions, c'est vraiment de la merde. On va en prendre notre machin d'avant. Bon, ce qui est cool à garder, c'est que c'est un peu gratuit, quoi. Un petit peu gracieux. Ouh, Binky, excellent. Un Saw Alert. C'est aléatoire ce qu'on soit comme Saw Alert dedans. Je ne sais pas trop. Ah, ça le secrète, elle est peut-être juste là à droite. Écoute, je sais pas comment ça fonctionne avec ce machin, mais on va le prendre. Bon, ça change rien a priori. Hein. Je ne peux pas pleurer. Alors, ce qui est chaud, c'est qu'on a même pas eu les 7 pièces. Donc, c'est un peu nul tout ça. On va aller récupérer ma petite flamme parce que je pense que c'est quand même un peu mieux. Ouais, on va attendre de récupérer notre machin pour le faire sauter et pas perdre un demi-cœur bêtement. Hop. Du coup, on va devoir faire ça, mais ça me saoule. Ouais. Ça commence avec une salle pas trop cool d'entrée. Bon allez, plus que la petite larve, ça va le faire. Non. Ok. Ah, sa mère. Bon, ça va. On a pris un coup de... Hop. Alors, juste vérifier quand même sur internet, vite fait, la Broken Watch. Alors, j'ai mis une petite pause, mais c'est pas si ouf que ça, en fait. Hein. C'est toutes les 4 rooms, tu slow les ennemis avec une rare chance de booster toutes les 4 rooms, les gars. Pff, non. On passe à la suite. Non. Ouf. Voilà, ça me sert à rien, c'est pas fou. Aïe. Curse of the Maze, ok. Ah, mais quelle merde. Ah, c'est peut-être ça le It Doesn't Hurt, ça, quand je me fais toucher, ça fait tout péter dans tous les sens, là, des larmes sur mon personnage principal. La violence. Allez, viens, je t'ai dit là. Oh putain, c'est chiant. Elle avait pas envie, hein. Ce qui est cool, c'est que, en fait, je peux tampon à mort avec ce machin maintenant que je me rends compte quand je le soulève. Je peux le maintenir, en fait lever le machin, l'objet, et du coup il l'utilise pas. Et du coup je suis complètement safe pour les ramasser à nouveau. Et du coup lancer la flamme moi-même où je le souhaite en le transportant. Bon, comme là, sauf que c'était pas ouf. C'était pas ouf comme essai, mais... Ah là, quel con. Ah là là, mais... Vous avez compris le principe.
On va prendre un sort alerte à nouveau, on en a besoin dans tous les cas. Salle secrète, non, elle est pas là à droite. Donc, hop. Et hop. Ouais, c'est pas mal. Alors, tout aligné. Pas mal, hein, franchement, pas mal. Allez! Oh mon dieu, mais quelle horreur! Tourne autour comme si de rien n'était. Pas mal, pas mal. Bien vu, bien vu. Allez, on y va. Fistoula. Ok, c'était bien joué de ma part. Ok, c'est pas grave, on va le choper derrière. Putain! Oh, ok, bon bah. On va prendre ça quand même. Prends-le, éloigne-toi. Ok, donc ça c'est le truc qui spawn aléatoirement des 4 cavaliers de l'apocalypse et après ils vont faire leurs petits dégâts. C'est pas mal en soi, je pense que c'est même un des meilleurs trucs que j'aurais pu choper. De toute façon, les familiers c'est bien. Tant qu'on a des familiers, on est content. Ok, barrons-nous. Le marchand, on n'a pas été au marchand. Si, on a été au marchand. On va vite explorer le reste parce que de toute façon il y a encore la salle secrète à trouver. Et quoi d'autre hein? Putain. Ok, elle doit être là-bas à gauche, je pense. Gimpy. Je sais plus exactement les effets. À 100%, je crois que c'est une chance de lâcher des Sawlert, enfin des cœurs noirs quand je me prends des coups. Truc dans le genre, non? Je suis pas sûr. Hein. Non, c'est pas mal, ce petit cavalier, c'est pas mal. Tac, une petite salle d'arcade, on va tout faire sauter, comme d'hab. Testons. Ouais. Tant que ça me fait pas de... Ah là là. Le truc négatif ça va, disons. Mais là, m'être pris un coup, c'est un petit peu dommage. On pourra aller voir ce qu'il y a dans la salle secrète au passage en cassant ça. Le boulet, ça peut être intéressant. Mais c'est un cauchemar. J'espère que je vous explose pas les oreilles à chaque fois que j'éternue. Hein. Franchement, si je les explose, dites-moi parce que je ferai un peu plus attention quoi. Parce que là, c'est littéralement un putain d'enfer quoi. Bah, voilà, on a bien géré les deux boss. C'est bien passé. On a le petit boulet qui suit malheureusement l'autre. Mais bon, écoutez, c'est déjà ça de gagner. Ouais, par contre, l'autre sale. Juste après. Pourquoi il veut pas. Il veut pas. Il veut pas tirer. Il veut pas. Lâche l'objet. Qu'est-ce que tu fais? Malade ou quoi? Mon dieu. Ouais, la grande salle, j'ai pas trop envie de me casser la tête avec ça là. On a déjà pris assez de dégâts. Ok, y'a rien là. Potentiellement salle secrète là-bas. Ou alors, là à gauche. Ok. Non. Placify, toujours cool. Ok. Merde, c'est pas là. Bon, on est là au point de vie, mais le build, c'est ok, c'est pas fou, mais c'est ok quoi. Oh, la grande salle directement. Bam, ouais, les petits Harbringers, c'est vraiment excellent, y'a pas à dire. Il attaque lui-même, il crée ses petites mouches, c'est vraiment sympa. Bon bah, fais-la sauter.
Je voulais pas aller dormir, mais bon. On est parti au lit, c'est pas grave. Je vais prendre ça. Ah, c'est vachement bien. Alors, j'aurais bien récupéré la carte, là. Alors, du coup, je pourrais faire ça. Oh, merde, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, bah... Tant pis, hein. Ah, ça, c'est des petites bombes dans les bombes. Je sais pas si ça marche avec lui, mais... Non, ça fait rien. Ok. Ouais, bon bah, écoute, on va le prendre, c'est gratos, hein. Salle secrète, peut-être là? Non. Le temps qu'en fait, il invoque ses mouches et qu'il attaque lui-même, hein, tant qu'à faire. Ça finit très vite le fight. Ok. Mais. What? Non, ça vaut pas la peine. Clairement, ça vaut pas la peine. Allez, la mouche. Ils sont un peu rapides pour moi, les mobs. Allez, on casse tout ça. J'adore comment tu l'entends griller. Et au final, il n'y a rien qui se passe pour lui. Ah merde, il y en a un là. Attention, attention, attention. Ok, plus que lui là. Salle secrète là. Non. Eh ben, barre-toi. Potentiellement là en bas, la salle secrète. Testons, testons. On cherche toujours. Hop. D'avoir des trucs là-dedans aussi. Y a rien. Oh, je l'ai raté comme un nulos. Ça c'était joli. Joli snipe sur la fin. Et ouais, les flammes c'est un peu fort quand même. Salle secrète. Cool. Ok, il y a un marchand là, on va aller voir déjà. Ah, bah, c'est l'heure du fight. Ta race. Ok, de toute façon on n'a pas le choix, il va falloir remonter là-bas en haut. Remonter en haut. Ça. Les meilleures phrases de Silent, bonjour. Alors, t'es où? Fume le war là. Attends, on va déjà tuer ce cadavre là. Ce petit corps. Mm-hmm. Ok. Bon, 4 points de vie comme je dis, hein, c'est un peu une misère hein, quand même, on va pas déconner. The World, ça peut être sympa pour vite trouver la salle de boss au dernier étage. Ça va pas non plus me changer grand chose en soi. Encore des mobs? Ah. Ok.
Bon bah go le boss. Ah c'est chaud. Ça m'a invoqué beaucoup trop de conneries. Oh j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai eu de la chatte. Je sais pas ce que c'est cet embryon là, ça me dit rien du tout. On va checker la deuxième salle secrète quand même. Là. Ok, lui on va lui donner des pièces. En espérant qu'il donne quelque chose d'intéressant. Toi, mets-toi comme ça. Bon, pas très utile, mais bon, on prend. Allez, donne-moi du bon. On a plus qu'un marchand, c'est là le détache suivant, donc. Allez, s'il te plaît, sois gentil. Allez. Je vais pas le ramasser, je pense, parce qu'il a l'objet qui est en utilisation, l'autre là. Ah non. Bon bah, on va faire ça. Yes! Ah, trop bien. Ah, attends, regardons ce qu'on a là. Ok, remets-toi comme ça. Je donne toute ma thune, hein. Je veux des Soul Heart, hein, clairement, c'est le plus important là. On s'équipe à fond en HP. En plus, ça tombe bien. Ouais, la Sun, c'est pas mal aussi. Waouh, excellent le nombre de Soul Heart qui sont tombés. Excellent, franchement, je me suis bien mis là. Merde, il avait resté une pièce, bon, c'est pas grave. Alors, on gagne mal, vas-y, on claque dans le vide. Récupérer The Sun et on se barre. Hop! Bon, on a pas mal de points de vie, le build est ok sans plus, disons. C'est jouable, c'est clairement jouable. Oh là 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 là. Ouah, joli snipe là. Putain, j'ai géré cette salle, mais waouh, même moi je suis choqué quoi. Joli, joli, c'était propre. Je crois que je l'ai mal placé. Ok. Ouais, rien que pour le Star Lord, c'est worth it, hein. Joli coffre. Ok. On a la carte de full là. Allez, saute. Rien de tout là-bas. Partons. Ah, dommage. J'étais déjà en train de me dire si c'était du lourd qui allait tomber, mais non. Mais non. Hop. Bon, les clés en soi, je peux les claquer, hein, ça me sert à rien. Des fois, il y a des trucs voilà, qui tombent quand on ouvre. Une petite pièce, c'est déjà ça de prix. Au cas où le marchand a un truc intéressant. Alors, ce serait mieux que la salle secrète, elle soit juste là-haut. Alors mets-toi comme ça. Hop. Ok, vers le bas peut-être. Non plus. J'ai été dedans. Quel con. Eh mais les Soul Heart qui tombent là, ça me fait plaisir. Ça fait giga plaisir. Emperor. C'est peut-être encore mieux que la carte de Sun au final, parce que ça me TP directement à Satan. Donc c'est vachement cool. Ah mais du coup je pourrais claquer de Sun pour cet étage. Claquons de Sun. Ok. Un autre marchand, on a une salle secrète, on a même hop, une petite salle à sacrifice là-bas en bas. C'est nickel tout ça.
Ah bon. Ok. Quasi full life, je pense que c'est la run de la victoire. Hein. Là, je doute pas sur mes dires. Je ne doute pas. Ok, on va prendre directement à droite. Ah, on est bien, hein, franchement. Ah, fait chier. Bon, moi il est vite mort, mais. Wouah, le Sword qui tombe, mais qu'est-ce qui se passe? De toute façon, on va les donner à la machine là-bas à Don pour être déjà full life. Ce serait une bonne chose. Pourquoi j'essaie de faire ça? Pourquoi j'essaie? C'est pas par là que je voulais aller. Bon, le con, c'est pas grave. Je fais n'importe quoi. Je suis en stress complet. En fait, je sais pas. Mon cerveau, depuis tout à l'heure, là, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, en mode panique. Alors qu'il n'y a pas à paniquer. Mets-toi là pour le moment. Ok. Sors, reviens, mets-toi là-bas. On va donner des pièces à lui. Parce que la machine, en soi, on va pas récolter grand-chose hein, dedans. On est quasi full life. Tac, tac, tac. Allons quand même à la salle sacrifice. Dommage, je vais choper les mouches, mais je suis par ici. Ah, j'ai raté ça, mais comme un noob. Ok. Bon, on est full life. Ok. Du coup, on va garder notre thune. Ok, on a juste une machine à dons aussi à un moment de l'autre côté. Pour se mettre encore mieux. Puis on y va. Je suis en train de réfléchir. Si je ramasse la carte de foule et que je merde le fight, au moins je peux aller faire des dons après le fight pour me mettre bien. Donc on va faire ça. Ouais, mais du coup, lâche la carte ici, s'il te plaît, pas que je repasse. De toute façon, je devrais refaire le chemin, donc non, c'est complètement absurde ce que je fais. Ah ouais, mais au moins je suis le plus proche du spawn là maintenant, donc non, c'est intelligent. C'est intelligent. Parfois, je fais des trucs intelligents. Parfois, c'est rare, hein, mais ça arrive. Hop, hop, tac, on se rebarre. Ah, dommage. Ok. Pas trop trop mal passé. Alors, reste tranquille. On va déjà prendre ça. Remets-toi comme ça. Ramasse le petit Sawler qui traîne. Alors, ce qu'il nous propose, on sait jamais. La piggy bank, c'est complètement nul. Bah écoute, c'est gratuit. Hein. Infest, on va le prendre. Je sais pas si ça marche, mais si ça marche, ce serait vraiment excellent en termes de dégâts. Ça va être vachement bien. Le truc kiss là, Serpent Kiss, je crois que c'est ça. Une chance d'empoisonner quand on tape. On va pas le prendre. Non, non, on garde nos points de vie. On se TP back comme je l'avais dit. Hop, on retourne, on récupère notre carte dit Emperor. On va aller faire des petits dons juste pour récupérer un petit cœur et puis on y va. Franchement, je pense que c'est le GG hein, cette run. Hein. Je vois pas comment je la fail. Si je la fail, c'est vraiment que j'ai voulu le fail. Hein. Là, au point d'en être. On a 3 étages à faire encore. Ok, bah c'est bon, on est full life. Je suis en train de dire merde, ça fait chier. Mais non, ça fait pas chier. Tac. Ok, bam, full life. Donc maintenant, tranquille. On cherche pas à fight, on cherche à trouver le boss le plus vite possible. Donc ça, on casse et on se barre. On passe au droit. Shit. Merde. Bon, c'était pas ouf, j'ai un peu stressé sur la fin.
une veste et il fonctionne, j'ai l'impression. Et du coup, c'est trop bien. Genre, un des meilleurs trucs que j'aurais pu choper, donc trop, trop bien. En termes de dégâts, là, c'est un sacré boost. Comme quoi, Chaos m'a mis vachement bien. Waouh. Premier coup, j'ai tout trouvé. Trop bien. Ok. Bonhomme là. Non, je pense que c'est mieux les flammes. Là, il y a un caillou marqué. Ok. Bah, barrons-nous. Là, on va le prendre juste pour le fait d'avoir beaucoup d'armes au cas où. Mais sinon, je m'en fous un peu. Réfléchis juste. Ah non, t'es bon. T'es bon. T'es bon. Putain, j'ai perdu un cœur sur cet étage. C'est bien. Franchement, c'est bien. Après. Toutes les runs fail de cette challenge de merde, j'en pouvais plus les gars, ça me rendait fou. Enfin, vous l'avez bien vu à la vidéo précédente, je pétais un câble, hein. J'étais vraiment au bout de ma vie quoi. Ah je vous jure c'est une horreur les gars, c'est une horreur ce challenge, je le souhaite à personne de le faire. Ok. Pourquoi je cherche à fight? Pourquoi? Bon, c'est pas grave, on a une feste donc ça va assez vite, mais. Ah! Écoute, c'est une trappe pour aller à Sheol direct, hein. Bon, dommage. Ah, c'est le Secret Market, c'est tellement rare! Ouah, et du coup, on a accès. Attends, calme-toi, je t'ai dit. Y'a rien qui est utile à part le fait que je me barre directement à l'étage suivant et je fasse le boss. Hein. Je pense que c'est le meilleur truc. On va juste aller voir dans la salle à sacrifice s'il n'y a pas quelque chose avant. On sait jamais. Mais c'est tellement rare là ce qui vient de se passer. Waouh, le nombre de Soulers qui traînent. Ah, attends, pas aller prendre un truc. On peut peut-être prendre les. Docteur Fetus, ça fera rien. Le reste, je sais plus ce qu'il y avait. Il y a 3 Soulers qui traînent du coup, ça c'est pas mal. Mais qu'est-ce que je prends pour 3 Soulers? Écoute, on va prendre les Price Bomb. Je pense pas que ça marche. Ah, Random Bomb, ça fait un effet. Ah non, ça fonctionne hein! Ah, ça fonctionne, c'est trop bien. Ok, donc ça fonctionne déjà, c'est une bonne chose. Allons chercher nos petits machins. Ouah, ça va aider, hein. Ça va aider de ouf les gars. Déjà que je pense que c'est le GG là, cette run. Mais là encore plus quoi. Putain, ça fait plaisir. Oh là là. What? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors les gars, je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a des échelles secrètes en bas. Mais c'est trop bien. Mais pourquoi ça a pas marché avant? Parce qu'avant j'ai tiré aussi vers le bas pour qu'il reste en bas le machin. Oh, vous me direz dans les commentaires parce que là je suis un peu paumé les gars. Bah écoute, on va tout prendre. La clé on s'en fout un peu mais on va la prendre. What the fuck, faudrait que j'aille revoir la rediff quoi. Oh, j'ai pas capté. J'ai pas capté vraiment ce qui s'est passé. Trop bien. Oh là là, c'était tout caché. Je vais voir ce que c'était la première salle. Hein. Tac, on se barre. Oh l'explosion, oh là là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ah mais il y en a encore un. J'ai pas vu. Écoute, on va lâcher des petites bombes supplémentaires. Vu que mes bombes elles font des effets. Attends, ouais mais. Par contre, récupère ton machin avant. Pas le con. Ok, lâchons des bombes partout. C'est la fête. Lâchons des bombes. Mon dieu.
Ah yes, je suis trop content. Oh putain, quel plaisir. Quel plaisir. Oh là là, je suis out, les gars. Out. Là, bah en gros, choper des trucs, améliore vos bombes, hein, les gars. C'est tout ce que je peux vous dire, hein. Et vous souhaiter. Et là, en plus, avec. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce bordel que je peux foutre à l'écran. Parce que j'arrêtais pas d'en lâcher, hein. Au cas où on voyait pas très bien, mais j'en ai lâché tout plein. Trop, trop bien. Et les petites bombes ont une chance d'avoir un effet aussi, hein, là. Pouah là 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 là, c'est violent. Bah c'est le GG, hein, on récupère la coupe. On ramène la coupe à la maison et on a débloqué de Chariot qui est inversé du coup. Et je crois qu'on a fini avec les challenges pour le moment. Putain, mais oui, mais oui. Oh, je suis trop content. Ah, je me fais un petit tap-tap dans mon dos moi-même. Oh, quel plaisir. Bon, bah voilà, on a réussi. C'était la galère, c'était de la merde ce défi, mais c'est fait. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao les gars.